Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui une vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais j'avais un petit créneau sur ma journée. Je me suis dit, avec le retard que tu as, il est temps que tu en profites pour faire une vidéo. Donc je suis allé fouiller sur toutes les vidéos que j'avais en retard et je me suis dit qu'il était temps de faire l'ouverture des 20 boosters des cartes promotionnelles Dragon Ball Super Card Game. J'en profite une fois de plus pour remercier mon fournisseur de cartes Dragon Ball Super Card Game. Il s'agit de Julie Kart. Sans lui, je n'aurais jamais réussi à avoir ces 20 boosters de cartes promo. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Julie Kart, je vous mets le lien de son Facebook dans la description de la vidéo. Vous pouvez faire vos commandes et vos précommandes auprès de lui pour les cartes Dragon Ball Super Card Game. Avant de commencer l'ouverture des 20 boosters, je tenais à faire une petite précision. Lors d'une vidéo précédente, je vous ai dit que j'avais le full set des semi-jumbo Dragon Ball Super Card Game. Eh bien, ce n'était pas le cas. Cette fois-ci, j'ai le full set. Il est au nombre de 7 cartes. Et du coup, je vais vous présenter ces 7 cartes. Je les ai classées par ordre de préférence, on va dire. Donc, on commence avec Iru de Garn, la perfection éveillée. Je vous montre son autre face. En seconde carte, nous avons Demigra, la malveillance effroyable. Et pareil, la face arrière. En troisième carte, il s'agit de Slug géant. Voici la face arrière. Quatrième carte avec le Ozaru de Baby Gorille déchaîné. On regarde la face arrière. Pour la cinquième carte, il s'agit de Piccolo Junior, la renaissance du mal. Alors là, franchement, je la trouve vraiment magnifique cette carte. Très très belle carte de Piccolo. Et nous avons également une face arrière puisque c'est que des cartes leader. La sixième et avant-dernière carte, mon chouchou Bardock l'incontrôlable. Toujours carte leader, nous découvrons sa face arrière. Et la huitième carte qui est à mes yeux la plus belle carte de la collection, il s'agit de Son Goku Super Saiyan 4, renversement de situation. Je vous laisse apprécier le visuel, les brillances. Et la seconde face, Son Goku Gorille Doré, donc un très très beau Ozaru sur cette seconde face. Nous pouvons maintenant nous intéresser aux 20 boosters promotionnels. Comme je vous l'ai dit, c'est du Dragon Ball Super Card Game, pack promotionnel volume 1. Donc il y a une carte par booster. Et à l'arrière, nous avons la liste des cartes à collectionner. Donc ça va de la P043 à la P046. Ensuite, ça va de la EX0101 à la EX0107. Puis la EX0201 à la EX0207. Ce qui fait qu'il y a un total de 18 cartes à collectionner. J'ai 20 boosters, donc on a droit qu'à 2 doubles. Si j'ai plus de 2 doubles, eh bien je n'aurai pas le full set. C'est parti pour l'ouverture de ce premier booster des cartes promotionnelles Dragon Ball Super Card Game. Nous avons la première carte qui est ici. Alors attendez, qui ne veut pas sortir. Qu'est-ce que nous avons? C'est Vegeta, les camarades fusionnés. Oh, un très beau Vegeta avec de la belle brillance de l'arc-en-ciel, du métallisé. Et c'est la carte EX0102. J'essaye d'ouvrir proprement ces boosters, mais en fait, ils sont super fins. Ils sont très fragiles et j'arrive pas à faire des ouvertures propres. Alors, qu'est-ce que nous avons sur cette seconde carte? J'arrive pas à la sortir non plus. Alors, c'est Towa, dominatrice du temps. Une très belle carte promotionnelle une fois de plus. Et c'est du EX0204. Troisième booster, il s'agit de Trunks, lien vers le futur. Et c'est la carte numérotée EX0103. Donc, pour l'instant, pas de double. C'est les trois premières cartes, vous allez me dire, heureusement. Ah, cette fois-ci, j'ai fait une ouverture super propre pour cette quatrième carte. Et nous avons, wow, Vegeto, Super Saiyan Blue, le sauveur. Elle est magnifique, celle-ci. Alors là, je la surkiffe, cette carte. C'est la quoi? C'est la EX0104. Très, très jolie carte de Vegeto. Franchement, très, très belle. Le cinquième booster. Et nous avons Trunks, une fois de plus, la police du temps. Mais ce n'est pas un double. Hein. Et c'est la EX0201. Celle-ci, je la kiffe aussi. Très joli visuel. Ça en fait pas des caisses, mais elle est très belle. Booster numéro 6, et nous avons Gotenks, prêt à se battre. C'est la carte EX0107. Alors, il faut savoir que parmi mes chouchous, Gotenks en fait partie. J'aime beaucoup ce personnage de Dragon Ball Z, et je suis bien content qu'il soit sur la carte promotionnelle. C'est le 7ème booster promotionnel, et nous avons Son Goten, esprit unifié. Bah alors là, pour le coup, je pense que c'est une carte puzzle. J'espère qu'on aura l'autre moitié. C'est la EX0105. Et bien, vu que la Gotenks, c'était la 07, je pense que la 06, ce sera Trunks qui sera de ce côté. Ça, je kiffe les cartes puzzle, hein, vous le savez. Booster numéro 8. Et nous avons le Saiyan masqué mystérieux guerrier. C'est la carte EX02EX. Alors, Bardock avec le masque, évidemment, ça fracasse. Une très jolie carte, et c'est bien parce que pour l'instant on n'a pas de double, mais on va pas parler trop vite. Hein. Vous savez que des fois quand on est content, ben finalement la poisse s'abat sur l'ouverture. Booster promotionnel numéro 9, et nous avons Shun Shun Majin jumelle. C'est la EX02
06. Bon, celle-ci, elle casse pas des briques, mais bon, au moins, c'est pas une double et elle complète la collection. C'est le 10e booster, ce qui veut dire que nous sommes déjà à la moitié de cette ouverture et nous avons Mira, sortie des ténèbres. Alors, c'est cool pour l'instant, on a une très belle ouverture, c'est la EX0205EX. Alors, si on a le full set, honnêtement, c'est le top. Booster numéro 11. Alors, suspense, qu'est-ce que nous avons? C'est Towa. Alors, attendez, Towa, je crois qu'on en a une. Est-ce que c'est un double? Je vérifie. Oui, ça y est, on a notre premier double. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup plus. S'il y a un double de plus, il faudra que ça s'arrête là. Sinon, pas de full set. Ce premier double m'a mis la pression. On ouvre le 12e booster. Et nous avons Kaioshin, temps souverain du temps. Alors, attendez, est-ce qu'on l'a eu celle-ci? Parce qu'à force, je ne sais plus ce qu'on a eu. C'est quoi? C'est la EX02. 03, je vérifie. Eh bien non, nous ne l'avons pas, ce n'est pas un double et ça c'est cool. C'est le 13e booster. Est-ce que le numéro 13 va me porter bonheur? Voyons voir. Trunks, oui, génial. En plus, c'est celle que je voulais. La seconde partie du puzzle. Donc nous avons Trunks, esprit unifié. Et l'autre moitié, du coup, Sangoten et Trunks qui font la fusion. Ça, c'est génial. Là, je suis vraiment très content d'avoir les deux parties de ce puzzle. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, mais je remarque qu'on a eu que des cartes siglées EX et non des cartes numérotées en P. Qu'est-ce que nous avons cette fois-ci? Végéto. Alors, attendez, du Végéto, on en a eu. Est-ce que c'est celle-ci? Je vérifie. Et voilà, un second double. Donc à partir de maintenant, il ne faut plus qu'il y ait de double si je veux avoir mon full set. Le booster numéro 15. Donc là, je stresse. Hein. Faut plus qu'il y ait de double. Et j'ai eu que des EX. J'ai peur que j'ai des doubles sur les EX. Oh, on l'a pas eu celle-ci. Non, on l'a pas eu. Son Goku. Les camarades fusionnés. C'est la... Ah ben si, attendez. EX0101. Je vérifie. Eh bien non. Non, 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 non. C'était la 02. Je dis des bêtises. C'était Vegeta, donc ça c'est cool. Son Goku, les camarades fusionnés, donc une nouvelle carte, pas de double, et ça, ça fait plaisir. C'est les 5 derniers boosters, ce qui veut dire que si je veux avoir mon full set, il faut que chaque booster ait une carte différente de ce que j'ai déjà obtenu. Donc là, gros stress les amis, j'espère vraiment avoir ce full set. Allez, le booster numéro 16, aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est? C'est Gotenks, et on l'a déjà, oui, oh là là, ça y est, bah, donc là je suis sûr de ne pas avoir mon full set. On a que du EX, hein, c'est bizarre, il n'y a pas les cartes siglées P qui sortent. Donc c'est le 17e booster, qu'est-ce que nous avons là? Mira, alors lui on l'a déjà eu également, aïe 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 aïe. Donc il me manque une carte EX sur les EX02. Donc si ça reste là-dedans, il faut au moins que je fasse le full set des deux collections EX. 3 boosters avant la fin, c'est le booster numéro 18 et le Trunks. Bon bah autant tout à l'heure j'étais content de l'avoir, mais là, bon bah voilà. Voilà, je pense que honnêtement j'aurai pas les cartes P. L'avant-dernier booster, est-ce qu'on va voir une petite surprise? S'il vous plaît que j'ai au moins la dernière carte des EX02. Sangoten, eh bien voilà, j'ai deux fois le puzzle. Bien écoutez, au moins ça me permettra de faire des échanges pour pouvoir compléter mon full set. Le dernier booster, bon mais là plus trop de suspense, on sait à quoi s'attendre, pas de full set, mais c'est pas grave, j'ai des échanges pour pouvoir compléter ma collection. Et c'est Trunks, la police du temps que j'ai eu également. Donc j'ai le full set des EX01, pas le full set des EX02 et pas le du tout de cartes siglées P. Les amis, j'étais en train de ranger les cartes que vous venez de voir dans la vidéo et là, surprise dans le classeur, il y a deux cartes qui me manquaient que je possédais déjà en fait. C'est la Son Goku puissance recouvrée qui est juste splendide, c'est la P044PR. Et la Mister Satan Saiyan imaginaire, c'est la P045. Donc en fait, quand j'avais acheté la Theme Box numéro 1, il y avait deux boosters promo qui étaient fournis avec et je les avais eu à ce moment-là. Donc en plus, deux magnifiques cartes. Du coup, il me manque que 3 cartes pour le full set. Allez, malgré que je n'ai pas eu le full set, je suis quand même super content. Il y a des très jolies cartes promotionnelles, le puzzle, j'adore. La fusion de Gotenks, c'est juste le genre de carte que je veux voir sur les collections. Donc de toute façon, ça me fait du double, ça me permettra de faire des échanges avec ceux qui ont les cartes que je ne possède pas. Donc je ne me fais pas de soucis là-dessus, je pense que je vais réussir à avoir mon petit full set. Si vous ne me suivez pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis !